Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des croisés, hein, ces fiers combattants de la lumière, et ainsi que bien sûr l'église du Zakharoum. Alors l'église du Zakharoum, on en parlera grandement dans cette vidéo bien entendu, mais je n'attaquerai pas non plus trop en détail l'église du Zakharoum. Alors vous verrez qu'il y aura quand même pas mal de détails, mais c'est tout simplement l'église du Zakharoum, il y a énormément de choses, beaucoup trop de choses, et il est fort probable que je le fasse les points un peu plus internes, un petit peu plus précis dans une future vidéo. Là je veux vraiment faire l'église du Zakharoum, mais surtout du point de vue des croisés, même si bien sûr il y a des... lors de mes recherches, on va dire, j'ai vu beaucoup d'approximations et parfois aussi surtout sur la communauté anglaise, mais je pense que c'est pareil dans la communauté française. Parfois, il y a des petites confusions qui se font entre croisés, templiers, paladins. Donc, justement, c'est aussi l'occasion un petit peu de démêler tout ça et de pouvoir analyser qui est qui, en fait, hein, tout simplement. Donc, on commence. Alors, évidemment, pour attaquer cette histoire d'un héros, j'espère que vous avez... Enfin, c'est même pas j'espère, c'est... Je vous conseille fortement d'avoir regardé les précédentes vidéos de lore de Diablo dans l'histoire, on va dire dans l'ordre, puisque cette vidéo commence directement après les événements de la guerre du péché. Donc, c'est-à-dire l'affrontement entre... les mortels fidèles de l'église de la lumière, attention à ne pas confondre l'église de lumière et l'église du Zakharoum, j'y reviendrai un petit peu après, et la triune, donc tout simplement, eh bien, les cultistes qui sont fidèles aux trois démons primordiaux, pardon. Donc il y a eu après l'invasion des cieux et l'invasion démoniaque, et finalement il y a Uldition qui s'est fait péter et qui a sauvé tout le monde, et ce qui fait que le sanctuary, hein, sanctuaire reste neutre et l'humanité est sauvée, je dirais. Donc nous sommes à la fin de la guerre du péché. Uldition a fait son sacrifice, la pierre monde a été modifiée, la plupart des mortels ont perdu la mémoire sauf certains. Et c'est un petit peu, comme ça on va dire, que va commencer quelques années après, eh bien, le calendrier tout simplement de Diablo, puisque le calendrier de Diablo, l'an 0, c'est tout simplement, eh bien, la naissance, enfin on va dire la découverte, la fondation de l'église du Zakharoum par son fondateur, à savoir Akarat. Ce qui est quand même assez... Donc là, il y a un gros parallèle, bien sûr, avec notre propre calendrier, avec Jésus-Christ. Et vous verrez que l'église du Zakharoum, bah, c'est un petit peu la religion chrétienne. La religion chrétienne, tout simplement. Donc le christianisme, un petit peu, dans l'univers de Diablo. Mais... au fond, c'est quand même assez intéressant, parce que l'idée, c'est donc là, bon, c'est une photo de Tyrael qui regarde en forme humaine, bien sûr, le Néphalem dans Diablo 3 Reaper of Souls, mais malheureusement, il y a très très peu d'images de ce genre de période, donc j'en ai profité parce que je trouvais que ça faisait très bien, c'est-à-dire Akarat qui observe et qui voit au loin une lumière, et on va déjà en parler un petit peu, puisque c'est tout simplement, donc Akarat est un homme de Xianzai. Je rappelle, le Xianzai, c'est l'île qui est tout à fait au nord, je vous montrerai après des cartes, mais c'est l'île qui est tout à fait au nord, et c'est de cette île qui est originaire Li Ming, hein, la grande sorcière de Diablo. C'est le Néphalem, l'un des Néphalem de Diablo 3. Donc, il a eu une visite de la lumière qui a pris une forme humaine, enfin humanoïde, on va dire, et qui lui a parlé et qui lui a donné des enseignements. Donc, il est fort à parier que Akarat, en fait, ait eu une visite. Alors, on va voir juste après, mais il y a eu un énorme conflit sur qui est cette mystérieuse individu. Il y a plusieurs versions. Il est possible que ce soit, on va attaquer juste après, mais c'est possible que ce soit soit une version, soit une autre, soit les deux ensemble en fait. Hein. Mais du coup, eh bien, la lumière, enfin l'être de lumière, lui a parlé, lui a donné pas mal d'enseignements et lui a appris en fait à utiliser son potentiel lumineux. Je vous rappelle qu'un être humain dans l'univers de Diablo, c'est tout simplement, eh bien, des descendants des tout premiers de la génération 1 des Néphalem, c'est tout simplement, eh bien, des enfants des démons et des anges. Même si les humains ont perdu les pouvoirs Néphalem à cause de la pierre monde notamment, hein, du nerf, on va dire, de la pierre monde, merci Blizzard, et eh bien les humains ont toujours un potentiel en fait obscur ou lumineux. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'éternel conflit, bah, les démons essayent de corrompre, essayent de faire utiliser cette partie démoniaque, et au final, eh bien, l'église du Zakharoum, c'est tout simplement utiliser son côté lumineux, son côté angélique, son rapport à la lumière. Je rappelle que les anges sont des êtres de lumière, et du coup... vous voyez un peu où je veux en venir avec cette image, mais du coup, c'est pour ça, utiliser son potentiel angélique, son potentiel lumineux. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, l'idée, c'est très humaniste, hein, c'est l'idée que chaque être humain peut utiliser ce potentiel lumineux
afin d'en sortir plus fort, d'en sortir meilleur. Et ça, c'est quand même très important parce que Akarat, dans un premier temps, lui, quand il découvre ce potentiel-là, il veut essayer de le propager à travers le monde, essayer de il veut essayer de transmettre ce message, essayer de perpétuer on va dire ces enseignements-là. Mais c'est d'un point de vue, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, Akarat a vraiment un bon fond. Il veut vraiment en fait que l'humanité puisse en sortir meilleure. Puisque il y a bien sûr le côté pouvoir lumineux, on y reviendra après avec les pouvoirs des Templiers, des Croisés et des Paladins bien entendu, mais il y a en dehors du côté martial, il y a aussi le côté de la plénitude, de la zénitude personnelle, le fait de pouvoir voilà, être plus lumineux, être plus calme, il y a un peu le côté Jedi on va dire, il y a un peu le côté Jedi mais on y reviendra aussi pour le côté Jedi. Donc... pour ce qui est de cet être lumineux, il y a deux grandes théories. La première, et qui est dans l'église du Zakharum, ce serait un ange, et pas n'importe quel ange, un archange. Et là, vous allez me dire, oh, 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 oh. Il y a des petites idées de qui je suis fourmi dans vos têtes. Et bah, pas du tout. Pas du tout, c'est pas Auriel, c'est pas Eitherael, c'est pas Tyrael, c'est pas Imperius. En même temps, c'est pas vraiment Imperius qui ferait ça. C'est tout simplement un autre ange qui s'appellerait Yeirius. Alors, ce n'est pas un médicament contre les allergies, hein, même s'il porte quasiment le même nom. Mais du coup, Yeirius, ce serait un archange. Alors, les sources divergent, étant donné que certaines sources disent qu'il n'y a que 5 archanges, hein, les 5 archanges du Conseil des Anguiris. Et parfois, on voit certains autres anges qui sont quand même intitulés archanges, mais qui ne font pas partie du Conseil des Anguiris. Par exemple, Inarius, tout simplement. Mais Yeirius est précisé comme un archange. Donc, bon, il y a des petites... on sait pas trop, hein, tant qu'on n'a pas le... Le mystère n'est pas, on va dire, dévoilé là-dessus. Mais Yeirius serait du coup un ange qui, suite à la guerre du péché, aurait en fait aimé, un petit peu à l'image du descendant de l'église de la lumière, où c'était Inarius le patron, Yeirius serait à ce moment-là, en fait, aimerait guider l'humanité vers son côté angélique. L'idée d'un petit peu de l'éternel conflit. Alors, Yeirius, un petit peu à l'image d'Inarius ou d'autres commandants angéliques qu'on avait déjà nommés dans les anciennes vidéos, qui étaient au service de Tyrael, on pourrait imaginer que Yeirius est au service, par exemple, et bah, moi je verrais bien au service d'Auriel. Ça correspondrait bien un petit peu à l'image et à l'idée d'Auriel, mais qui, on va dire, de loin a essayé de transmettre un petit peu sa volonté, transmettre cette idée de grandeur. Peut-être que lui aussi, au final, il voudrait que les anges gagnent quand même l'éternel conflit, et un petit peu l'image des démons, il sent que bah, l'humanité a besoin un petit peu les préceptes d'Inarius, en fait. Hein. Mais, soit ce serait un fidèle d'Inarius, mais il semblerait qu'Inarius ait quand même détruit tous ses fidèles, soit, voilà, un serviteur d'un autre archange du Conseil Zangiris, potentiellement. J'aimerais bien que ce soit pas Tyrael, parce que, bon, Tyrael, on a l'impression qu'il n'y a que lui qui a des bras droits. Auriel aussi, elle en a, et d'autres, et je pense que ça correspondrait bien avec le style d'Auriel. Donc, Yeirius... un archange qui aurait voulu aider l'humanité pour développer ce côté angélique et perpétrer un petit peu on va dire les enseignements des cieux et la lumière. Sachant qu'encore une fois que les anges sont un petit peu les incarnations physiques de la lumière. Donc ça c'est ce qui est dit dans les écrits du Zakharum, enfin les écrits donc d'Akarat et du Zakharum. Après... Descartes Kane a sa propre version des choses, puisque c'est un chercheur, hein, c'est un petit peu un enseignant-chercheur, Descartes Kane, le dernier des Oradrim, et au final, ses recherches donnent l'impression qu'en fait, Akarat aurait dit que c'était un... En fait, ça a été mal interprété par ses fidèles, et qu'en fait, Akarat aurait dit que c'était un être de lumière, et ça a été mal interprété en mode Yeirius, du coup, un ange. Il serait peut-être possible qu'en fait Yeirius soit en fait un simple mortel, enfin pas vraiment un simple mortel, mais un mortel qui serait tout simplement une image rémanente, un écho de lumière d'Uldissian, donc Uldissian, hein, le plus grand Néphalem qui ait jamais existé, et qui aurait eh bien décidé de continuer à essayer dans sa mort, enfin on va dire dans son après-vie, le personnage est tellement puissant qu'on pourrait imaginer bien sûr que ce soit lui, qui aurait eh bien, tout simplement trouvé une possibilité d'enseigner un petit peu à d'autres humains et d'essayer de fonder on va dire quelque chose pour que l'humanité puisse aussi se défendre. Le truc que je... Alors Descartes Kane, c'est une de ses théories dans les livres de Descartes Kane et de livres de Tyrael, la plupart du temps Descartes Kane a raison. Il y a quelques endroits, parce que c'est une théorie de Descartes Kane, mais il y a quelques moments où il peut avoir tort aussi.
Le truc, c'est que Descartes Kane, il se trompe rarement. Donc, il est fort à parier que ce soit bien un écho d'Uldisian. Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que ce soit les deux, en fait. Parce que l'église du Zaccharum, avec l'aspect on utilise notre pouvoir lumineux, ça fait très angélique, au final. Uldisian, lui, il est en mode réveil du Néphalem, on veut améliorer le potentiel. Alors peut-être que Uldisian a été le premier écho, qu'il ait voulu justement réveiller le potentiel Néphalem des humains malgré le nerf de la pierre monde. Et d'un autre côté, on a eh bien, tout simplement Yairius, qui serait donc un ange qui aurait utilisé cette apparition pour se faire passer pour Uldisian et continuer à perpétrer son idée. Sauf qu'au lieu de réveiller les deux potentiels, le potentiel démoniaque et angélique, il s'accaparerait sur le côté angélique. Parce que c'est exactement ce qui se passe avec l'église du Zaccharum, qui est focalisée sur l'aspect lumineux. Donc, j'avoue qu'Uldisian, je le vois pas spécialement réveiller seulement le côté angélique. Donc, c'est. Alors, bien sûr, ça veut pas dire qu'utiliser le côté démoniaque, ça fait forcément un connard. Hein. C'est juste une fusion des deux pour devenir un troisième parti en fait. Donc c'est pour ça que je pense que ce serait même plus intéressant, avec plus de profondeur, si ils utilisaient les deux, et qu'effectivement Uldisian y ait des images rémanentes de lui, et que d'un autre côté un ange travestisse un petit peu la vérité pour essayer de faire en sorte de tirer la couverture vers lui, hein, tout simplement. Donc l'ordre du Zaccharum va se développer petit à petit, même si, alors au départ l'ordre reste malgré tout encore un petit peu minoritaire, on va dire discrète, parce que on en reparlera après, mais l'église du Zaccharum ensuite va devenir la religion principale de Sanctuaire. Mais pour le moment, à l'époque où je vous parle, c'est tout simplement assez discret et mineur. Donc les fidèles, un petit peu comme un petit peu comme les apôtres de Jésus, les apôtres de. Alors, ils ne portent pas le nom apôtre, hein, mais les servants, les serviteurs et tout simplement les disciples d'Akarat vont commencer eh bien, à organiser un petit peu tout ça et fonder en fait l'église du Zaccharum. L'église du Zaccharum, donc le nom des prêtres du Zaccharum, c'est tout simplement les Zaccharumites. C'est voilà, les disciples de la foi de Zaccharum. C'est intéressant puisqu'ils vont avoir de bonnes relations lors de la période de l'exil noir. Ils vont avoir d'excellentes relations avec les Oradrim, donc tout simplement ceux qui chassent les principaux démons, les démons primordiaux, les trois démons. Et Tal Rasha entretient d'excellentes relations, donc je rappelle le chef des Oradrim à l'époque, le mage le plus puissant de son époque, qui va eh bien, entretenir, enfin il entretient de très bonnes relations avec les prêtres du Zaccharum. Et quand ils ont récupéré, grâce aux enseignements de Tyrell, la pierre justement pour pouvoir enfermer Méphisto, eh bien, il se dit en fait, il a confiance envers les Zaccharomites pour s'occuper de la pierre. Les Zaccharomites sont en train de construire en plus un temple. Ils sont en train de construire un temple. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Akarat, à la fin de sa vie, a commencé en fait à fuir, a commencé, on va dire, il a fait des pérégrinations un peu partout dans le monde. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous réouvrir la carte, enfin pour vous ouvrir la carte, hein, pour un petit rappel. Donc, les trois cercles rouges, c'est les trois prisons des trois démons, hein, Tristram étant celle de Diablo, Ludgolain celle de Baal, enfin pas loin du Ludgolain, et Akurast, comme vous le voyez, hein, Akurast, c'est tout simplement la prison de Méphisto. Donc la prison de Méphisto, à l'époque, il n'y a rien, mais en fait, lors de la fin de sa vie, Akarat a été se déplacer dans les jungles de Kouraste justement, et il a fini sa vie là-bas. On ne l'a jamais revu depuis qu'il est parti dans les jungles, dans la jungle de Kouraste. Donc c'est devenu un petit peu un lieu mystique pour tous les fidèles du Zaccharum. Et au final, eh bien, il y a un temple de lumière qui va être construit dans ces jungles. C'est donc la ville de Travinkal va naître. C'est tout simplement l'endroit où il va y avoir le temple de la lumière, à savoir eh bien, le temple du Zaccharum. Et c'est aussi ce qui va devenir la prison de Méphisto. Donc à l'époque, hein, j'en avais un petit peu parlé dans l'exil noir, et j'avais dit que j'en développerais plus en détail, et bien voilà, vous l'avez, donc ce temple, il était tout simplement en construction déjà à l'époque pour les fidèles, et Tal Rasha se dit que eh bien, les serviteurs du Zaccharum on va dire, ont un bon fond, ils ont quand même des pouvoirs aussi, ils seront parfaitement à même de pouvoir canaliser, de pouvoir résister, et de pouvoir défendre la prison de Méphisto en cas d'attaque, et faire en sorte que jamais plus, eh bien, Mephisto puisse s'en sortir. On en parlera, l'ironie de la chose, hein, la grande tristesse pour Tal Rasha, mais donc voilà, ce lieu n'a pas du tout été choisi par hasard. Il est dans les jungles de Kouras, le dernier endroit sur Sanctuaire où Akarat avait été encore vu vivant. Donc l'église du Zaccharum va prospérer et continuer à gagner en influence petit à petit, au fil des années, au fil des décennies.
elle va carrément devenir, on va dire, la religion principale de l'empire du Kedjistan. Donc Kedjistan, je vais rouvrir la carte hein, pour que vous soyez pas perdus. Le Kedjistan, c'est tout simplement en fait la capitale du Kedjistan. À l'époque, c'était, enfin, c'est Khaldeum, Khaldeum étant l'une des plus grandes villes, mais il fut un temps, ce n'était pas Khaldeum, c'était justement Khorasan, avec voilà, on va dire le siège de l'église qui était, enfin de toute façon la capitale a pas mal changé, mais l'église a tellement gagné en puissance et en influence que la capitale du Kedjistan était même à Khorasan pendant un bon moment, avant de repartir à Khaldeum, qui était la ville marchande, on va dire Khaldeum. Donc le Kedjistan, c'est tout simplement le plus grand empire humain qui existe en sanctuaire. À l'époque et même maintenant, hein, c'est pas pour rien que Khaldeum est l'une des villes de Diablo 3 lors de la fin des temps. C'est Khaldeum, c'est la plus grande ville humaine potentiellement avec Westmarch de tout sanctuaire. Donc, une fois la ville de Travinkal, voilà, la ville religieuse de Travinkal construite, l'église d'Akarum continue de prospérer comme je le disais, devient la religion principale de l'empire du Kedjistan. Et ça va pas s'arrêter là parce que on a l'envie, bien entendu, un petit peu à l'image d'Akarath, de propager la foi, de propager tout simplement ces idées, ces enseignements. À la base, je le rappelle, Akarath voulait, on va dire, que chaque être humain puisse jouir de ses propres pouvoirs, puisse développer son propre potentiel. Mais il y avait l'idée que s'ils veulent pas, ils veulent pas, tout simplement. Il n'y avait pas forcément l'idée de convertir par la force. Or, l'Église commence à prendre plus de place dans leur vie politique, dans la vie, on va dire, quotidienne des gens. D'ailleurs, c'est encore une fois aussi pour ça que la religion a très très bien fonctionné, parce que c'est une religion du peuple. Même le paysan du coin, il peut développer une affinité avec la lumière. Donc vraiment tout le monde, que ce soit les religieux, que ce soit les riches, on va dire, marchands, que ce soit les grands princes, etc., ou même les modestes roturiers, tout le monde va commencer à se convertir aux Akarum parce que c'est une religion qui parle à tout le monde en fait. Développer son propre potentiel, ça marche, ça parle à tout le monde. Donc il va y avoir cette envie de propager un petit peu la religion et va commencer la période, alors c'est pas vraiment la période des croisades à ce moment-là, mais va commencer la période des croisades. C'est tout simplement des prêtres qui vont essayer de suivre la vie d'Akarath en parcourant le monde pour essayer comme je le disais, de propager la foi. Le problème, c'est que c'est des prêtres. Et les prêtres, quand ça va au voyage, ça se fait attaquer par des bandits, des monstres, des créatures démoniaques. Ça se fait par les populations locales aussi qui se font chasser. Et du coup, ils se font défoncer. Et les prêtres, ils ont besoin de protection. Ils ont besoin d'aide. Un ordre militaire va alors naître au sein de l'église du Zakharoum. L'ordre des Templiers. Et les grandes croisades vont commencer. Puisque pour propager la foi, il nous faut des militaires des soldats pour pouvoir protéger les prêtres et ainsi protéger les fidèles. Et ça va être aussi un gage un petit peu de démonstration de force. Alors pour le moment, il n'y a pas de conversion forcée. Attention, gardez bien ça en tête. Les premières croisades commencent dans la paix. C'est juste l'idée de dans la croisade, il n'y a pas forcément le côté militaire, il y a aussi le côté vraiment juste propagation de la foi un petit peu partout. Le truc, c'est que quand les populations locales voient des paladins avec des armures qui peuvent être enchantées par la lumière et leur pouvoir, c'est vrai que tu te dis, ah ouais, cette religion, elle est vachement puissante, elle est vachement intéressante. Et donc, petit à petit, en tout cas, pour tout ce qui est l'Orient, la foi du Zakharoum va vraiment prospérer. Mais évidemment, comme je vous le disais, le temps des croisades va continuer. Donc les Templiers, très important, on va faire une petite parenthèse, une grosse parenthèse d'ailleurs après. Mais voilà, donc les paladins deviennent un petit peu les défenseurs du monde. Ils prennent tellement d'ascension, ils prennent tellement d'importance et d'influence que les Templiers deviennent les gardiens, les protecteurs du monde. Alors il y en a d'autres, bien entendu, protecteurs du monde. Je pense aux nécromanciens, on en a déjà fait une vidéo dessus, mais eux c'est dans l'ombre. Là les Templiers, c'est sans mauvais jeu de mots, dans la lumière. C'est-à-dire que voilà, vous voyez un pro chevalier dans grande armure, une grosse arme, un gros bouclier qui arrive, qui utilise des pouvoirs de lumière. C'est assez impressionnant, c'est pas du tout sinistre comme les nécromanciens. Donc même la population, les paysans, les roturiers, tout le monde est assez impressionné par leur pouvoir. Ce qui fait que, aidés par la lumière bien entendu, ils vont parcourir le monde et protéger les pèlerins.
Ensuite, un petit peu comme les vrais croisés de l'époque, hein, les vrais croisés de notre monde à nous. Donc, les croisés vont protéger, chasser. Enfin, alors attention, quand je dis les croisés, là pour le moment, ce ne sont pas les croisés qu'on connaît de Johanna. C'est pas l'ordre des croisés. C'est tout simplement quelqu'un qui fait une croisade, c'est un croisé. On y reviendra après. Il y a une grande différence entre les véritables croisés, l'ordre des croisés, et les croisades de l'époque, où il n'y a pas encore les croisés. À l'époque, c'est juste les Templiers. Très important, je préfère le redire. Donc justement, on va pouvoir revenir dessus. Donc comme les prêtres sont impuissants, premier ordre militaire créé, les... D'ailleurs j'ai dit les Templiers, mais my bad. Moi-même, vous voyez, je dis n'importe quoi là. C'est pour ça, il faut faire bien attention, et je pense que je risque peut-être de me tromper. Très important, je ne voulais pas dire Templier. Vous oubliez le mot Templier depuis tout à l'heure. Ce n'est pas Templier que je voulais dire, c'était Paladin. C'est juste que dans notre monde, c'était les Templiers. Là, ce sont les Paladins. Donc my bad, les Paladins, les serviteurs de la lumière. C'est exactement ce que je disais, sauf que c'est les paladins. Vous verrez pourquoi c'est compliqué, pourquoi moi-même là j'ai raté. Les paladins, c'est tout simplement donc les protecteurs de l'église du Zakharum, le corps militaire du Zakharum et des chevaliers lumineux, hein, tout simplement. Donc les paladins qu'on connaît, hein, de Warcraft, etc. C'est le paladin classique. Le truc, c'est que ça, donc c'est le corps militaire de l'église du Zakharum, ce n'est pas séparé de l'église. Et au sein de l'église du Zakharum, bah, vous avez un conseil dirigeant, on y reviendra un petit peu après, mais vous avez un conseil dirigeant, et au sein du conseil dirigeant, il y a une espèce de pape, on y reviendra encore une fois après, et l'église du Zakharum, eh bien voilà, l'ordre des paladins fait partie intégrante de l'église du Zakharum. Donc si les archevêques donnent un ordre, les templiers, les paladins, pardon, s'exécute. Ça, c'est très très important. Maintenant, on y reviendra après, les croisés n'existent pas encore à cette époque, mais pour bien différencier paladin croisé de templier, donc paladin, c'est les serviteurs de l'église du Zakharum, les guerriers de l'église du Zakharum. Les croisés, alors eux c'est différent, les croisés, donc là on parle pas des petits croisés, enfin de ceux qui participent aux croisades, on parle vraiment de l'ordre des croisés qui apparaîtra plus tard et j'y reviendrai en détail, mais leur mission est également un peu la même, hein, puisque à la base de toute façon c'est des anciens paladins, c'est de combattre les formes démoniaques, tout ce qui est engeance démoniaque, par-delà le monde, et un petit peu à l'image des Sith, ils viennent, l'image des Sith de Star Wars, ils parcourent le monde à deux, le maître et l'apprenti. On y reviendra après, c'est juste la forme qui ressemble aux Sith de Star Wars, sinon ils ressemblent beaucoup plus à des guerriers, à des chevaliers Jedi. Donc voilà, ça c'est les croisés. Ça fait très moine guerrier en fait, croisé. C'est après, quand je dis moine guerrier, attention à ne pas confondre avec les moines Nivgorod, hein, Karazim, tout ça. Mais les moines, enfin c'est presque des moines, c'est des moines combattants, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir aux sources, revenir aux sources. Ils se sont exilés du monde et ils veulent continuer à servir la foi du Zakharum, mais dans sa forme la plus pure, revenir aux sources, une vie, on va dire, une vie, je dirais, plus modeste, où on va trouver un apprenti, le former et développer, on va dire, une forte relation. Et quand le maître meurt, il donne tout ce qu'il avait à son apprenti pour perpétuer tout simplement leur mission sacrée. Et enfin, donc my bad depuis tout à l'heure, hein, je parlais des paladins, pas des templiers. Les Templiers, on y reviendra parce que avec l'ordre chronologique, mais c'est très important. Les Templiers, c'est un ordre assez récent dans l'histoire de Diablo, donc qui s'est formé après Diablo 2, entre Diablo 2 et Diablo 3. Les Templiers, c'est tout simplement d'anciens paladins, mais les paladins, je le rappelle, c'était donc les guerriers de l'église du Zakharum. Le truc, c'est que l'église du Zakharum avait pour mission de protéger la pierre d'âme de Méphisto et de protéger la ville et de protéger des formes démoniaques. Le truc, c'est que Mephisto, petit à petit, un petit peu l'image de Diablo à Tristram, petit à petit, Mephisto va avoir de plus en plus d'influence sur les archevêques et l'église du Zakharum, les grands dignitaires de l'église du Zakharum, et petit à petit, il va corrompre l'église de l'intérieur et complètement repousser la volonté première de l'église. Ce qui fait que lorsque dans Diablo 2 Mephisto s'éveille enfin, eh bien on découvre vraiment que l'église est complètement corrompue et au final au lieu de servir la lumière sert les ténèbres, sert les démons, et ça va complètement jeter l'opprobre sur l'église du Zakharum. Beaucoup de paladins vont faire défection, certains vont rester quand même dans l'ordre de l'église du Zakharum, mais en fait plein de paladins vont partir dans plein de petits groupes, certains vont devenir des mercenaires et autres, et le principe c'est que les paladins
Certains veulent faire rédemption, veulent faire amende honorable parce qu'ils n'étaient pas au courant de cette corruption. D'autres, au final, étaient corrompus et se sont juste dispersés pour eh bien, devenir de nouvelles sectes démoniaques. C'est le cas des Templiers. Les Templiers, c'est tout simplement d'anciens paladins qui ont choisi de se regrouper ensemble et de former un nouvel ordre à l'ouest. Un ordre d'anciens Templiers, d'anciens paladins qui deviennent du coup eh bien, des Templiers. Et petit à petit, on découvrira, j'y reviendrai après, que les ex-paladins... Alors, tous les ex-paladins ne sont pas Templiers, hein, bien entendu. Mais les Templiers, pour ce qui est des Templiers, les grands dignitaires des Templiers, étaient en fait des paladins corrompus par Mephisto et continuent en fait à être des sectateurs démoniaques, je dirais. Et vont corrompre les nouveaux apprentis et en faire des espèces de templiers noirs, des espèces de templiers démoniaques à qui servent tout simplement les démons et qui deviennent des invocateurs et autres guerriers démoniaques. Donc ça, c'est tout simplement les templiers qui servent à Westmarch. Les croisés par exemple et les templiers sont plutôt ennemis, ou en tout cas ils ont des rapports particuliers. Ça, c'est pour conclure la parenthèse qui est totalement anachronique par rapport à ce que j'étais en train de dire, puisque à la période historique que je vous évoque, il n'y a que les Templiers. Que les Paladins, pardon. Les Templiers et les Croisés arriveront après. Mais donc les Croisés étant plus jeunes que les Paladins, mais plus vieux que les Templiers. Les Templiers, c'est vraiment l'un des derniers ordres à avoir vu le jour. Donc... Parenthèse finie, mais encore une fois, moi-même, vous voyez, j'ai des soucis puisque je veux dire Templier pour Paladin alors que non. Faites bien la distinction entre Paladin, Croisé, Templier. Templier, c'est les derniers. Les Paladins, c'est les tout premiers. Les Croisés, c'est un petit peu au milieu. On va pouvoir attaquer justement l'histoire des Croisés. Donc, la parenthèse est fermée. Le chef de l'église du Zakharum, donc le pape, hein, l'espèce de pape de l'église du Zakharum, c'est le Keagan. Donc le Keagan, c'est simplement le chef spirituel de l'église du Zakharum. Le pape, par exemple, ce serait le Dalai Lama, par exemple, pour les bouddhistes. Ce serait... Alors j'ai oublié le nom des... chez les... Mince, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Mais bon, du coup, c'est tout simplement le pape, en fait. Hein. C'est le pape de l'église du Zakharum. Donc le Keagan, il dirige un conseil d'archevêques. On y reviendra, mais il y a un archevêque qui est assez connu par la suite. Et au final, eh bien, donc ils sont élus au sein même du conseil d'archevêques. Et chacun va laisser un petit peu sa patte dans l'histoire. J'y reviendrai plus en détail dans une autre vidéo. Mais en gros, les Keagan, c'est tout simplement ceux qui vont avoir le pouvoir au sein de l'église. Certains, malgré la corruption de Mephisto, certains vont rester pieux et rester fidèles au message originel de l'église. Certains vont complètement dépraver l'église et partir en sucette. Notamment l'un des derniers qui sera eh bien, le vaisseau de Mephisto dans notre monde de sanctuaire. Donc... D'abord pacifiquement, comme je le disais, les croisades avaient pour but juste de revenir aux sources. Mais le problème, c'est que les croisades vont commencer, justement à cause de certains Keagan, vont commencer... Alors on ne sait pas trop si c'est vraiment Mephisto qui était derrière ou si c'est tout simplement les mortels qui ont juste pété un câble, hein, ce qui est tout à fait aussi compréhensible. Puisque bon, faut pas dire que c'est toujours les démons qui font que les humains sont des connards, hein, parfois il n'y a pas besoin de ça. Hein. Et il va commencer la période de l'Inquisition, donc les croisades qui vont commencer à tourner au vinaigre, c'est-à-dire des croisades avec eh bien, des conversions de force, où eh bien, tous ceux qui refusent, là c'est très cite par contre, hein, tu es avec moi ou tu es contre moi, hein, c'est ok, t'acceptes de devenir un serviteur de la religion, Tu te convertis ou tu meurs en fait, ou tu es un barbare et on te détruit. Ça c'est un souci, et là l'église Zakharum, en tant que statut de religion principale de sanctuaire, va commencer, comme je le disais, à péter un plomb. Et les chevaliers du Kégistan, hein, les combattants du Kégistan, vont avoir pour mission, hein, notamment nommé par les Keagan, différents croisés. Alors là, pas l'ordre, l'ordre n'existe pas encore, mais tous les participants, tous les chevaliers et combattants qui vont agir sous les ordres de l'église. L'église a son propre corps combattant, hein, les paladins, mais certains seigneurs du Kégistan, même l'empereur lui-même, eh bien, vont parfois aider l'église en envoyant leurs propres armées pour combattre les populations barbares, les populations démoniaques, et tout simplement eux-mêmes, eh bien, en tant que fidèles du Zakharum, eux-mêmes, eh bien, convertir les autres populations. Ça va donc
s'envenimer très fort. Et il va y avoir des croisades, notamment vers l'ouest, qui vont partir. Donc je vais rouvrir la carte, mais vers le camp d'Uras hein, et Westmarch. Donc vous voyez, donc ils partent tous du Kedjistan pour traverser la mer et aller vers l'ouest, vers Aranok, vers le camp d'Uras, vers Westmarch. Donc c'est notamment donc, comme je disais, différents groupes armés vont émerger, donc plein de différentes organisations un petit peu militaires, paramilitaires de l'église du Zakharoum. Donc certains sont, par exemple il y a la main du Zakharoum, c'est vraiment des paladins qui ont pété un plomb et qui vont massacrer du paysan, etc., qui refusent de se convertir. Mais d'autres, par exemple les fils de Rakis, sont tout simplement les serviteurs, l'armée de Rakis. Rakis est tout simplement le plus grand général du Kedjistan qui est probablement jamais existé. C'était le maréchal de l'empereur, maréchal de l'empire, serviteur de l'empereur, et au final le bras droit de l'empereur. Mais je ne vais pas nommer, peut-être que je ferai un jour une vidéo sur Rakis parce que c'est quand même un personnage très intéressant. Mais au final Rakis va gagner toutes les guerres au sein du Kedjistan. L'empereur va commencer à se dire que bien Rakis prend beaucoup trop de popularité et pourrait menacer son propre règne et son propre trône. Donc il va charger Rakis de mener l'une des croisades vers l'ouest. Donc Rakis par exemple c'est juste un général, c'est pas un croisé, c'est pas celui qui est investi du pouvoir, etc. C'est juste un seigneur de guerre qui est converti à l'église du Zakharoum. Et au final, eh bien, il va envoyer ses armées vers l'ouest et il va conquérir le camp d'Uras et conquérir Westmarch. Et il va fonder un nouveau royaume. Parce qu'il a bien senti que le pépère empereur, il voulait essayer de le défendre, enfin essayer de le doubler. Donc il va fonder son propre royaume, à savoir, eh bien, un petit peu à l'image des rois francs en fait. Hein, les rois francs, les rois germaniques qui vont commencer, à la base c'était juste des petits chefs de tribu ou juste des seigneurs, et ils vont fonder des royaumes un peu partout. Et bien là c'est pareil, ils vont fonder des royaumes, c'est très proche des invasions barbares où ils vont fonder leur propre royaume. Et en l'occurrence, eh bien, il va fonder le royaume du Westmarch, tout simplement. Donc celui qui se trouve tout à l'ouest. Donc Westmarch, Bramwell, Duncraig, Port-Royal, tout ça. Et même le camp d'Uras à l'époque, c'était Westmarch. Donc Rakis, comme je le disais, en plus il y a deux raisons qui font qu'il est parti vers l'ouest. C'était une demande de l'empereur, mais c'était également aussi un souhait personnel, puisque en faisant la guerre, eh bien, il a découvert des écrits, notamment concernant Corvus, une cité Néphalem. C'est celle que simplement que vous verrez dans Diablo 3, Reaper of Souls, hein, celle où d'ailleurs la pierre d'âme noire va être enfermée au départ avant que Mephisto arrive et dise non, c'est à moi. Et c'est tout simplement cette cité que Rakis cherchera pendant toute sa vie, mais il la trouvera jamais. Mais en tout cas, il va fonder son empire juste au-dessus, enfin son royaume juste au-dessus, le royaume de Westmarch. Un autre personnage, un peu plus connu lui, des joueurs de Diablo, c'est tout simplement Léoric. Alors c'est pas du tout la même époque, hein, c'est des centaines d'années après, des dizaines, centaines d'années après, mais dans les mêmes invasions, on va dire, barbares. Et c'est probablement la dernière croisade envoyée par l'église du Zakharoum qui a eu lieu. C'est Léoric qui était aussi un seigneur du Kedjistan et qui a choisi eh bien, de partir vers l'ouest pour étendre l'influence de l'église du Zakharoum. Il est conseillé notamment eh bien, par l'archevêque Lazarus, hein, Lazare. Lazare est donc l'un des grands dignitaires de l'église du Zakharoum. Il est totalement corrompu par l'influence de Mephisto. Et il va dire à Léoric, eh bien du coup, tu pourrais fonder ton propre royaume maintenant dans le camp d'Uras. Donc faire sécession avec le royaume de Westmarch. C'est aussi pour ça qu'ils sont en guerre, Westmarch et camp d'Uras. Le camp d'Uras et Westmarch. Mais c'est quand même le camp d'Uras qui a passé l'attaque en premier. Hein, parce que Westmarch, de toute façon, c'était une terre qui n'était pas très très utile. C'était vraiment le fin fond du Westmarch. Donc ça ne dérangeait pas spécialement et reconnaissait Léoric comme roi du camp d'Uras, c'était pas un problème. Ça permettait aussi de mieux solidifier plutôt que de diversifier un peu partout. Donc au départ, il y avait une petite tension, mais pas de problème. Et finalement, Léoric, avec sa folie, va attaquer le camp d'Uras, enfin va attaquer le Westmarch. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo parce que je sais qu'elle vous plaît cette histoire de Léoric. Donc on y reviendra dans une autre vidéo. Mais Léoric faisait partie justement de ces croisades et a propagé la foi du Zakharoum. Je vais réouvrir la carte juste pour que vous voyez un petit peu l'étendue des affrontements. Parce que Rakis lui-même a eu des affrontements avec les populations locales. À l'époque, donc la population locale, il y avait des moines d'Ivgorod. Donc là, vous voyez à peu près au niveau des terres de l'effroi, un petit peu en dessous, vous avez Ivgorod. Vers l'ouest, donc vers le cratère d'Areat, vous avez les barbares. Et à l'époque, eh bien, le camp d'Uras et Westmarch, c'est des populations locales. Donc certains sont absolument pas affiliés aux barbares ou
ou au Ivgorod, mais la plupart du temps, en fait, eh bien, les armées de Rakis, les armées de Leuric et autres croisés vont, on va dire, se battre, affronter les populations donc de barbares, les populations des moines d'Ivgorod, hein, les populations d'Ivgorod, des populations locales qui maintenant se sont converties à la foi du Zakharum, de force, et également eh bien, tout ce qui est avant-poste Ascari, donc c'est tout simplement eh bien, les Amazones de Skovos, puisque par exemple le monastère est un ancien poste avancé Ascari, donc Amazone, et on peut imaginer, enfin il est même clairement dit que les Amazones avaient d'autres postes avancés, mais dans la guerre contre les croisés, eh bien, encore une fois, les croisés, hein, les envoyés de l'église, pas encore l'ordre des croisés, hein, je veux bien que ce soit clair pour vous. Il y a eu une guerre et au final ils ont probablement perdu leur possession en camp d'Uras. Donc voilà pour ce qui est des populations locales, donc ça s'est quand même fait un petit peu dans le sang. Donc un autre ordre va naître à la création de Westmarch et ça y est, les croisés, l'ordre croisé va émerger après la fondation de Westmarch, du royaume de Westmarch, donc avant le royaume de camp d'Uras de Leuric. C'est tout simplement eh bien, des paladins qui étaient aux côtés, par contre, qui servaient aux côtés dans l'armée de Rakis et qui ont eu un petit peu peur et qui ont rejoint un homme, un prêtre de Zakharum, à savoir Akan, qui est tout simplement eh bien, effrayé par la soif de sang de certains corps paladins, comme par exemple la main du Zakharum. Et il a vraiment la pression, il est suffisamment haut dans l'église du Zakharum, mais pas suffisamment pour être corrompu directement par Mephisto, mais il est suffisamment haut pour comprendre qu'il y a des choses qui tournent pas rond dans l'église du Zakharum. Et du coup, il se méfie de plus en plus de l'église du Zakharum, il voit des bains de sang, parce que bon, les paladins qui servaient Rakis étaient plutôt propres, même s'il y a eu des guerres contre les populations locales, ils faisaient pas des exactions comme certains de leurs confrères. Et du coup, eh bien, il commence à se dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, il sait pas que c'est Mephisto, mais il sait qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il est probable qu'il y ait une corruption démoniaque au sein de l'église du Zakharum. Donc, il va y avoir une sécession de ces paladins qui vont former tout simplement l'ordre des croisés. Les croisés, ils vont... Alors, justement, comme Akan a peur, il veut faire en sorte que cet ordre soit complètement différent des paladins classiques. Il veut faire en sorte que cet ordre soit indépendant et que les membres au sein même de l'ordre soient indépendants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Chez les croisés, il n'y a pas de chef. Vous n'avez pas un seigneur des templiers ou un seigneur des paladins ou un seigneur de machin. Non, il n'y a pas de haut dignitaire. Chaque croisé, ils ont tous le même rang. Et en fait, le seul truc, c'est qu'ils doivent voyager par deux. C'est le seul précepte, ils doivent voyager par deux, il y a des écrits, il y a quand même bien sûr des archivistes et autres, mais le principe c'est de revenir au commencement vraiment avec les enseignements d'Akarat, à savoir voyager à travers le monde, combattre la corruption démoniaque, essayer d'aider, de protéger les faibles et les opprimés, et c'est tout. Il y a l'idée vraiment du voyageur, comme l'était Akarat, et de propager la lumière, mais pacifiquement, et de défendre surtout la veuve et l'orphelin, un petit peu, hein, c'est l'idée des chevaliers. Et le truc, c'est que chaque membre, donc chaque croisé, donc vraiment de l'ordre cette fois, chaque croisé doit trouver dans sa vie un apprenti. Donc l'apprenti, ça va être, alors si c'est un croisé mâle, il doit trouver un apprenti mâle, si c'est une croisée, il doit trouver une apprentie. Le truc, alors à quoi ça sert? Ça sert en fait tout simplement... Comme il veut vraiment que les croisés ne soient jamais corrompus, c'est pour ça qu'il fait ces espèces de barrières où il peut pas y avoir de chef et du coup un chef qui voudrait plus de pouvoir et il y aurait des guerres de pouvoir en interne. Non, chacun est égaux et ils partent un petit peu faire leur truc. Ils veulent par contre, leur seule obsession on va dire, c'est la recherche de reliques datant de l'époque d'Akarat pour pouvoir eh bien, être le plus proche des enseignements de la lumière et d'Akarat. C'est le seul petit, on va dire, la petite obsession des croisés, mais c'est même pas non plus une obsession maladive, c'est juste, c'est un peu normal, ils veulent revenir au fondement, donc ils veulent absolument avoir les meilleures informations. Donc le truc c'est que par exemple quand un maître trouve un apprenti, il le prend sous son aile, hein, il va lui enseigner les valeurs, l'église de la lumière, tout ça. Alors les apprentis sont choisis en fonction de certaines caractéristiques. Tout d'abord leur bonté d'âme, il faut que ce soit des protecteurs, des personnes qui aient pour but de protéger les autres. Qu'ils aient une affinité avec la lumière potentiellement, alors ça peut être soit
les plusieurs de ces caractéristiques, soit une seule. Hein. Mais l'idée, c'est de trouver quelqu'un, globalement, qui a une bonne âme, on va dire, qui est charitable, qui a envie d'aider les autres. Quelqu'un de combattant, quelqu'un de fort, qui peut tenir les armes, qui peut se protéger. Et quelqu'un, comme je le disais, qui a des affinités avec la lumière. Donc ça peut être une de ces trois caractéristiques ou les trois ensemble. Par exemple, Johanna, c'est les trois ensemble. Mais l'idée, voilà, c'est ça le nerf de la guerre, je dirais, chez les croisés. Ensuite, eh bien, ça va être de vivre à deux. Alors, les croisés, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les croisés ont le droit d'avoir des sentiments et d'avoir des enfants et autres. Mais le truc, c'est que malgré tout, il faut quand même principalement servir l'ordre et trouver eh bien, des apprentis. Alors, les apprentis ne sont pas pris de force. Ils peuvent, par exemple, Johanna était dans une famille et son maître eh bien, a été la voir et elle a demandé à la famille si elle pouvait la prendre sous son aile et la former. La famille est tout à fait libre de refuser et à ce moment-là, bah, il faut qu'ils reparcourent le monde et qu'ils recherchent un apprenti. C'est pour ça aussi que la plupart des membres des croisés sont plutôt d'origine populaire, on va dire d'extraction moyenne ou de basse extraction. Donc souvent des hommes et des femmes du peuple plus que des personnes riches. Parce que bon, quand vous allez voir un roi ou un seigneur et vous lui dites « Bon bah écoutez, votre fils, je pense qu'il est vachement apte à pouvoir rejoindre les croisés. » Comment dire? Le mec va dire « Bah non, c'est mon héritier, donc tu vas te faire hein ?» Donc voilà. Il lui dit gentiment non, quoi. Donc les croisés, principalement, vont plutôt recruter des enfants de paysans, des enfants de marchands et autres. Ça c'est super important. Donc, et le but, c'est vraiment d'éviter au maximum la corruption démoniaque. Il a combattre la corruption sous toutes ses formes. Donc, et peut-être aussi potentiellement découvrir la trahison de l'église du Zakharum et peut-être trouver la corruption au sein de l'église du Zakharum. Donc ils évitent les méthodes brutales, en dehors bien sûr des démons, hein. S'il y a des démons, ils les détruisent, hein, y a pas de problème. Mais ils veulent absolument pas tuer des populations humaines ou autres, sauf bien sûr des cultistes. Donc c'est vraiment éviter la corruption de l'église. C'est pour ça que d'ailleurs les croisés entretiennent une vie un petit peu sectaire. C'est vraiment une secte, hein. C'est considéré comme une secte par l'église d'ailleurs. C'est l'idée qu'ils vivent entre eux. Alors ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de voyager à plus que deux, hein. C'est principalement à deux. Si le maître n'a pas encore d'apprenti, bah, il voyage tout seul bien entendu. Et plusieurs croisés peuvent s'entraider. Ils sont tous les deux au même endroit, dans la même quête. Ils vont s'entraider, etc. Mais ensuite ils s'arrêtent. Ils peuvent se réunir dans certains lieux aussi, parce que l'ordre a aussi des archivistes et autres, donc il a forcément un petit QG et qui est basé plutôt en Westmarch. Mais le truc, c'est une vie de voyage et une vie d'apprentissage. Sachant qu'un autre détail qui est super intéressant avec les croisés, c'est que le maître va tout simplement, par rapport à son apprenti, dans ce lien justement un petit peu de père-fils, hein, de maître-padawan, il y a aussi en fait, quand l'apprenti prend la place de son maître, quand le maître meurt ou qu'il arrête tout simplement, parce que s'il est trop vieux, il peut choisir de partir en reclus et de donner son titre de croisé à son apprenti, l'apprenti hérite du nom de son maître. C'est-à-dire que Johanna était l'apprenti de Johanna. Je sais, c'est la merde. Parce que c'est très compliqué du coup de savoir qui est qui. Mais ce qui fait eh bien, que le maître va tout donner à son apprenti. Alors, le croisé va renier son identité propre. Par exemple, je sais pas, ça se trouve, elle s'appelait Nathalie. Je sais pas pourquoi c'est parti comme ça. Mais le jour où elle devient l'apprenti, bah, et qu'elle choisit et qu'elle devient une croisée, elle prend l'identité de son maître. Donc, eh bien, Johanna par exemple, donc Nathalie devient Johanna. Alors elle s'appelle pas Nathalie, hein, c'était un exemple. Mais du coup, Johanna, et l'idée pour. À quoi ça sert? Vous allez me dire, mais c'est horrible, ça veut dire que tu détruis ta propre identité. L'idée justement, c'est aussi pour éviter la corruption démoniaque. Si tu portes le nom de ton maître, il y a cet immense honneur et surtout cette idée de ne jamais décevoir ton maître, puisque tu portes sa propre identité, son armure, ses armes, sa foi. Tu es tout simplement l'héritier de tout un passif en fait. Donc tout cet héritage sur les épaules, que tu portes sur les épaules, et littéralement sur les épaules et en figure de style, tu dois en être digne et du coup tu ne peux pas essayer par une vanité propre devenir quelqu'un qui voudrait eh bien, pactiser avec les démons, puisque souvent c'est la quête de pouvoir qui va te mener on va dire en enfer, enfin vers les chemins de l'enfer. Donc c'est vraiment l'idée aussi voilà, d'identité
noyé dans un héritage, dans un arbre de noms. Donc par exemple, Johanna, elle est probablement Johanna 17e du nom, et il y a eu 17 Johanna avant. Et que la toute première Johanna, eh bien, est une paladin, une paladine, du coup, je sais pas si ça se dit, et va tout simplement perpétrer les, le, perpétuer le, pardon, l'héritage. Donc c'est très compliqué parce que chaque croisée, eh bien, on ne sait pas vraiment qui c'est. Donc quand vous trouvez un truc où il y a Johanna, on ne sait pas quelle Johanna c'est. C'est peut-être notre Johanna à nous qu'on connaît, la dernière, ou peut-être celle d'avant. Ça, on ne le sait pas. Et ça, je trouve ça super intéressant en termes de d'histoire et de design, on va dire. Donc comme je l'ai dit, voilà, ils ont pour but de revenir aux fondamentaux, ils vivent modestement, ils parcourent le monde, donc voilà. Et ils chassent, encore une fois, il y a l'idée aussi des reliques, de retrouver des reliques des anciens temps pour avoir la vraie histoire. La vraie histoire, c'est important, puisqu'ils ont peur, que l'église du Zakarum, corrompe un petit peu les archives, et ce qui est vrai, puisque par exemple les croisés vont être considérés, répudiés, on va dire, et considérés comme des hérétiques. C'est pour ça qu'ils vivent aussi un petit peu, hein, l'image d'une secte reclue, et qu'ils évitent les contacts avec l'église du Zakharum, puisqu'ils savent que même si au sein de l'église du Zakharum, ils sont pas en mode c'est tous des méchants, mais ils sont en mode au sein de l'église du Zakharum, il y a des corrompus. Nous-mêmes, on en faisait partie, on était des paladins. On a choisi de quitter l'ordre, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que potentiellement, eh bien, on ne sait pas si le mec du Zakharum, là, il est corrompu ou pas. Donc ils vont avoir vraiment des rapports très très distants avec les paladins et avec les prêtres du Zakharum. Donc l'ordre, comme je le disais, n'a pas de chef, afin de rester secret aussi et d'éviter les problèmes de corruption. Ils veulent pas, voilà, que la gangrène, c'est pas pour rien qu'ils ont fait sécession, c'est pas pour devenir le nouveau démon, je dirais, le nouvel ordre qui serait potentiellement démoniaque. Donc petite parenthèse, mais le rapport entre paladin et croisé est très 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 froid. Donc les croisés forment cette secte de religieux, et principalement ils vont. Donc leur fief, comme ils venaient de Westmarch, comme je vous l'ai dit, même s'ils vont parcourir le monde et que très souvent il y a des pèlerinages faits vers l'est, vers les jungles de Kouras, puisque c'est là aussi où Akarat est mort, donc parfois ils peuvent se croiser avec les paladins et l'église du Zakharum, leur fief est basé en Westmarch. Et donc protège malgré tout aussi le royaume de Westmarch, même s'ils protègent toutes les populations. Mais ils sont quand même basés à Westmarch. Donc on peut imaginer qu'ils sont dans l'ordre militaire aussi de Westmarch. Mais l'idée, c'est quand même d'être indépendant politiquement aussi. Donc ils défendent les terres qui sont près de leur fief, mais après ils n'ont aucun compte à rendre envers la Westmarch. Donc c'est vraiment des pèlerins. Faut imaginer des pèlerins, et encore une fois, il y a le rapport maître-apprenti, le voyage à deux, le voyage initiatique à deux, ça fait très très Sith, sans l'idéologie des Sith, du démoniaque, on va dire, des pouvoirs égoïstes et autres. On est vraiment plutôt dans le côté Jedi avec le fonctionnement des Sith. Petit point justement sur le paladin, on va arriver maintenant aux événements de Diablo, notamment Diablo 2, et les paladins, donc le paladin de Diablo 2, qui n'a pas de nom à l'heure actuelle, hein, donc c'est toujours pas son nom. Donc j'ai trouvé enfin des images super intéressantes des personnages Diablo 2, enfin belles plutôt que des images dégueulasses de l'époque. Donc ce fan art qui est plutôt joli d'ailleurs, on voit les différents aventuriers, hein, les 7 aventuriers de Diablo 2. Donc je rappelle, on a le druide, on a Isandra la magicienne et maître de Liming, on a probablement Kaer le barbare de Diablo 2 et probablement le barbare de Diablo Immortal aussi, le paladin, Cassia l'amazone, Xul le nécromancien, et peut-être, on n'est pas sûr, Natalia la Vijaktar, donc l'assassine Vijaktar. C'est probablement pas Natalia, on sait pas, mais il y a des soupçons comme quoi ce serait vraiment Natalia le personnage, même si c'était un personnage qui n'était pas jouable. C'était un peu Alors, je vous laisse aller voir Diablo 2, j'en avais parlé. Mais du coup, le paladin de Diablo 2, je le rappelle, mais pendant ces événements-là, eh bien, pendant les événements de Diablo 2, ils vont découvrir. Alors, ce n'est pas un croisé, hein, c'est un paladin, mais c'était la quête aussi des croisés, c'était de découvrir la corruption de l'église du Zakharum et de la combattre. Donc, il est fort probable que les croisés aient affronté des cultistes de Kouraste. Mais en tout cas, c'est un paladin qui va découvrir la propre trahison de son propre corps et de sa propre église dans le temple de la lumière, dans l'église du Zakharum. Donc, au final, le paladin de Diablo 2 a combattu son propre ordre, sa propre église, puisqu'il a découvert sa corruption, et
Ça va bouleverser l'équilibre, on va dire, des forces, puisque les paladins, et c'est ce qui va créer, bien sûr, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les templiers, c'est-à-dire que les paladins vont être complètement désabusés par ça, et ils vont choisir de fuir Kourast, et vont partir un petit peu à travers le monde, et entre différents paladins, former de nouveaux ordres. Certains vont être corrompus, d'autres pas du tout. Certains ordres corrompus, comme les Templiers, vont continuer à servir sous l'influence, on va dire, de Méphisto et l'influence démoniaque, sous toutes ses formes. Mais d'autres ne le savaient pas et ont découvert ça comme les autres. Hein. Par exemple, le paladin de Diablo 2, bah, lui, il ne le savait pas que l'Église était corrompue, et au final, bah, il a combattu l'ordre. Donc, ce qui est... Je pense qu'il pourrait tout simplement être le personnage croisé masculin de Diablo 3. C'est, comme je vous l'ai dit aussi, vous allez me dire, mais Malga, c'est incohérent ce que tu viens de nous dire. Tu penses que le paladin de Diablo 2 est devenu le croisé de Diablo 3, mais pourtant tu nous disais que les croisés refusaient d'entretenir des relations avec les paladins, puisque justement ils jugeaient qu'ils étaient peut-être corrompus. Oui. Mais n'oublions pas que les croisés à la base c'est des paladins qui ont fait sécession pour combattre pour le bien de l'église originale et originelle, je dirais, avec les préceptes d'Akarat. Donc il y a peut-être d'anciens paladins qui ont rejoint les croisés. Je pense que l'intégration de ces paladins a été très stricte du côté des croisés, parce qu'ils sont très cultes là-dessus, ils sont très bornés. Donc il y a deux possibilités. Soit effectivement l'ancien paladin a quand même fait amende honorable et a montré aux yeux du monde qu'il a combattu les trois grands démons primordiaux et que du coup les croisés peuvent avoir confiance en lui et qu'il serait devenu un croisé. Mais d'un autre côté, je le rappelle, si vous avez fait Diablo 3 avec le croisé masculin, eh bien il avait un nom. Lui aussi, même si on ne connaît pas son nom, son maître est mort avant lui, etc. Après, moi je pourrais justement contourner ce truc-là en disant que il est fort probable qu'en fait l'histoire du paladin en féminin ou masculin ce soit la même. Mais du coup, tout le rapport avec le maître qu'on voit, bah, ça serait Johanna. Et celui-ci, bah, peut-être que son maître c'était l'ancien paladin et il a pris les coutumes, il a pris les coutumes tout simplement des croisés qu'il a reformé, qu'il a reformulé, je dirais, dans sa propre vie. Et par exemple, quand dans le dernier acte il voit son ancien maître, bah, ce serait peut-être son ancien maître paladin, mais qu'il a repris un petit peu dans l'idée du croisé. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible, ou alors c'est un personnage différent. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est le même? Le physique, tout d'abord, le physique. C'est deux personnes qui ont un teint un petit peu mat, très métisse, entre le noir, je sais pas trop si c'est... Enfin, ça fait métisse, tout simplement. Et la coupe de cheveux, hein, ils sont tous les deux chauves. Et tout simplement, par exemple, Johanna a fait très jeune, alors que le croisé de Diablo 3, lui, fait beaucoup plus âgé. Donc, il y a l'idée aussi un petit peu du vécu, du passif. Donc, ça se trouve, c'est juste une ressemblance et non, absolument rien à voir. Mais le fait que ce soit... que les croisés soient d'anciens paladins, pour la plupart, d'anciens paladins, qu'ils ont le même physique, que l'un fait plus âgé que l'autre, ils ont le même teint de peau. Genre... je trouve que ça commence à faire beaucoup de similitudes. Et je pense qu'en termes d'histoire, ce serait super intéressant. Dans Diablo 2, le paladin a vaincu son ordre et a choisi de faire rédemption à amende honorable et veut repartir sur ses premiers préceptes. C'est complètement l'histoire des croisés. Mais c'est aussi possible qu'il ait monté son propre ordre de paladin et continue de servir l'église du Zakharum, puisque l'église du Zakharum, elle aussi, essaye de faire amende honorable, puisque la nouvelle église, on va dire, qui a été purgée des serviteurs de Méphisto, bah maintenant, bon, ils ont jeté l'opprobre sur l'église, donc bah, l'église, elle commence à être chassée un petit peu de partout, mais il reste, malgré tout, l'église avec un grand E, hein, l'ordre religieux, et qui maintenant, d'ailleurs, s'est déplacé à Caldeum, et il est possible que, eh bien, il est choisi de servir là-bas. Donc on sait pas trop. Pour le moment, Blizzard n'a pas répondu à cette question. Déjà, on connaît pas son nom et on ne sait pas si c'est vraiment le même ou pas. Moi, j'aurais tendance à préférer que ce soit le croisé de Diablo 3, soit le paladin de Diablo 2. Ce serait cool en termes d'avancée du personnage. Mais bon, pour avancer un personnage, il faudrait déjà lui donner un nom, bien entendu. Donc voilà, c'était la parenthèse concernant le paladin, mais qui pourrait être le croisé tout simplement de Diablo 3. Maintenant, attaquons la belle et radieuse et lumineuse Johanna, mais on va attaquer justement Johanna sous toutes ses formes. N'ayez pas d'idées mal placées quand je parle de toutes les formes de Johanna, c'est tout simplement tous les noms des Johanna, puisque nous avons, eh bien, le maître de Johanna. Alors j'ai pris cette image justement du paladin femelle, on va dire, paladin féminin, qui est le maître de Johanna,
comme on la voit par exemple dans le dernier acte dans Reaper of Souls, où justement eh bien Johanna traque les différents serviteurs de Maltael, et finalement elle se retrouve devant son ancien maître, le fantôme de son ancien maître. Le maître Ordan, le nécromancien, a appris aux différents maîtres, leur a enseigné comment utiliser les pouvoirs de la mort pour justement les transmettre à leurs différents apprentis. Et bien Johanna va être en face de Johanna. Hein, je sais que ça c'est toujours un peu compliqué. Mais du coup, Johanna, le maître de Johanna, l'a pris sous son aile à l'époque où notre Johanna à nous, hein, je vais dire Johanna maître, celle qu'on connaît pas ou qu'on a vue dans Reaper of Souls, Johanna apprenti, la Néphalem, celle qu'on connaît, celle qui est jouable dans Heroes of the Storm et dans Diablo 3. Donc Johanna apprenti a été tout simplement devenue une apprentie croisée à l'âge de 12 ans, et à l'âge de 16 ans, Johanna Maître, que vous voyez ici, meurt et du coup transmet son nom, tout son héritage, tout son armure, ses armes et son titre à son apprenti, qui devient Johanna la Nouvelle, la Néphalem, mais qui n'était pas encore Néphalem, bien sûr. Johanna Maître, d'ailleurs, il est probable que Johanna Maître soit la croisée, donc la Crusader de Diablo Immortal, hein, qui se passera entre Diablo 2 et Diablo 3. J'aimerais que ce soit le cas, j'aimerais vraiment que ce soit le cas, parce que ça nous permettrait d'avoir encore un peu plus d'aspect, de découvrir un petit peu plus d'histoire, et peut-être même d'avoir encore plus de liens entre l'apprenti et le maître. Et par exemple, les retrouvailles de Diablo 3 Reaper of Souls seraient, si jamais vous rejouez à Diablo 3, peut-être après avoir joué à Diablo Immortal, seraient peut-être encore plus... touchant en fait, hein, comme moment, parce que on a envie aussi de connaître l'histoire du maître. Je trouve ça super intéressant. Moi personnellement, quand j'ai joué la magicienne, que j'ai joué du coup Liming, enfin la sorcière dans Diablo 3, et que vous retrouvez Isandra, je pense qu'un joueur de Diablo 2, je pense qu'il est super ému par cette retrouvaille et ce moment. Alors que par exemple, quand c'est Nazibo qui voit son ancien maître et t'es en mode mais lui on le connaît ni d'Ève ni d'Adam et on le voit pour la première fois, c'est moins bouleversant et moins touchant, hein, forcément. Donc je préfère qu'il y ait des petits liens entre les différents opus de Diablo, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Maintenant, donc il y a trois possibilités: soit c'est bien la Johanna Maître qui sera le croisé de Diablo Immortal, soit c'est une autre croisée dont on ne connaît pas le nom, et ce serait vraiment un pas en arrière, un recul complet. On n'est plus dans les années 90, s'il vous plaît Blizzard, donnez des noms à vos putains de personnages. La troisième possibilité, ce serait une croisée qui est aussi également connue, une croisée qui s'appelle Anajin, qui ressemble un petit peu à Johanna de loin, même si elle n'a pas les mêmes formes et pas forcément les mêmes armements, et qui pourrait tout simplement, elle est l'héroïne d'une nouvelle qui s'appelle End of Her Journey, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais ça pourrait également être elle. Maintenant, moi j'espère que ce sera Johanna Maître, et qu'on découvre un petit peu plus sur elle, sachant qu'elle a une forme très particulière, une coupe de cheveux aussi un petit peu particulière. Et d'ailleurs, vous pouvez récupérer deux armes légendaires dans Diablo 3, c'est tout simplement les armes d'une certaine Johanna, et ce serait peut-être la maître, ça serait peut-être les armes du maître, sachant qu'elle a un bouclier Ascari. Donc soit ce serait, donc Ascari, je rappelle, c'est des Amazones, soit c'est elle-même une Amazone qui a choisi de devenir une croisée, parce que c'est tout à fait possible, hein, il faut pas forcément être de Westmarch pour devenir une croisée, donc ça pourrait tout à fait être une Ascari, donc une Amazone qui a choisi de devenir une croisée, de se convertir à l'église du Zakharum et autres, c'est tout à fait possible. Soit c'est tout simplement, elle a fait des quêtes auprès des Ascari, et les Ascari lui ont offert un bouclier pour représenter leur amitié, c'est aussi possible. Mais en tout cas, il y a un bouclier et le fléau de Johanna qui sont lootables, hein, qui sont récupérables dans Diablo 3. Donc est-ce que ça appartient au maître ou à la Johanna actuelle qu'on connaît, donc la Johanna apprentie, ou même une Johanna encore plus vieille? C'est tout à fait possible, parce qu'on imagine que les croisés n'ont pas non plus qu'un seul bouclier, une seule arme, ils peuvent en avoir plusieurs. Donc on pourrait imaginer, même s'il y a quand même l'idée de transmission des armes, mais peut-être que ce bouclier, comme il avait été donné, peut-être que c'était une récompense, et que finalement il a transité dans les mains d'autres Néphalem. En tout cas, la mort de Johanna, comme je l'ai dit, va transformer la Johanna maître en Johanna apprenti, puisque l'apprenti va récupérer le nom, elle prend le nom de son maître afin de perpétrer la lignée, etc. Donc Johanna la Néphalem devient
vraiment Néphalem à ce moment-là. Et ensuite, je vous fais l'aparté, bien entendu, puisque vous connaissez les histoires de Diablo 3 maintenant. Je vous laisse aller voir l'histoire d'un héros si c'est pas le cas de Diablo 3, mais si c'est pas le cas, je comprends pas pourquoi vous avez commencé cette vidéo. Du coup, Diablo 3 et Diablo 3 Reaper of Souls. Et Johanna, d'ailleurs, eh bien, va éveiller son potentiel de Néphalem. Contrairement aux Johanna précédentes qui étaient des humaines, hein, avec des pouvoirs de lumière, elle, c'est une véritable Néphalem. Et d'ailleurs, le maître, j'ai refait les dialogues de Diablo 3 entre le maître et l'élève. Et l'ancienne Johanna dit justement. Elle transmet son nom, donc il reparle un petit peu du passé. Et l'ancienne maître, d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'elle dit que Johanna, à l'âge de 12 ans, elle chialait comme une morveuse parce qu'elle avait quitté sa famille et autres. Et que c'est très drôle. Le discours est très bizarre parce que tu te dis, mais. Enfin, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me traites de chieuse? Enfin, de chialeuse, pardon. Et du coup, c'est assez drôle parce que, mais il y a un petit lapsus parce que c'est un peu vrai aussi. Pendant en gros une semaine, Johanna, la Johanna apprentie, a eu du mal à se faire. Alors, en même temps, elle avait 12 ans, elle était encore petite. Et elle a eu du mal avec sa nouvelle vie de voyage alors qu'elle était auprès de sa famille avant. Donc, ça a été compliqué, ça a été dur. Mais malgré tout, le maître, Johanna Maître, savait que Johanna apprentie allait devenir probablement la meilleure. Elle avait complètement vu le potentiel Néphalem. Envers l'apprenti, en tout cas probablement elle avait senti le potentiel Néphalem. Et quand elle se revoit, bah, c'est très touchant puisque elle dit justement, bah voilà, maintenant que je me rappelle de toi comme la petite chialeuse, maintenant que je te vois la meilleure de toutes les croisées qui ait jamais existé, c'est un immense honneur pour moi et j'avais raison de t'avoir pris en tant qu'apprenti. Donc c'est assez joli, c'est assez beau, mine de rien, comme discours. Je vous conseille de le faire, c'est super sympa. Puis en plus, le croisé est quand même vachement intéressant à jouer, je trouve. Et en plus, on peut jouer coup près dans Diablo 3. Et du coup, donc voilà, elle va affronter les différents démons primordiaux et elle va battre Diablo et elle va également battre Maltael, où là, le potentiel Néphalem est totalement récupéré, on va dire, et que son pouvoir est immense de point de vue, enfin même ça terrifie Tyrael et même Imperius, à tel point elle est puissante, comme les autres, comme ses autres bien sûr compagnons de voyage, hein, les autres Néphalem comme Liming, Nazibo, Vala, etc. Karazim et autres. Donc Johanna, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même, contrairement à Vala et enfin Liming, Vala par exemple, on a des petits teas, on va dire, dans Heroes of the Storm, par exemple que Vala soit devenue peut-être la chef des chasseurs de démons. Pour ce qui est de Johanna, elle continue à parcourir le monde et elle recherche maintenant une apprentie. Elle n'a toujours pas trouvé d'apprenti et elle aurait même, elle a plein d'aventures, elle continue à avoir des aventures et elle aurait changé également de coupe de cheveux et de physique pour marquer aussi cette différence. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le seul personnage c'est le seul Néphalem, donc personnage jouable de Diablo 3, Johanna dans Heroes of Storm, qui n'a pas la même coupe que la Johanna de Diablo 3. Ça expliquerait justement cette maturité, puisque au final, même si c'était une jeune croisée, elle n'avait pas encore vraiment... elle n'avait pas encore le niveau, elle ne se considérerait pas apte à avoir encore une apprentie. Et justement, il y a cette idée de maturité du côté de Johanna, où après avoir battu Maltael, eh bien, elle cherche un apprenti à enseigner, pour lui enseigner tout simplement ses préceptes et perpétuer l'héritage des croisés, l'héritage des Johanna. Donc ça, c'est vachement intéressant, puisqu'il y a aussi, et même d'ailleurs si vous regardez le spotlight d'Heroes of the Storm concernant Johanna, eh bien on voit cette nouvelle coupe de cheveux et également l'idée du voyage pour trouver un apprenti. Il y a quand même une petite ligne qui est assez troublante dans Diablo 3. Alors je sais plus quel objet il faut récupérer, ou faut, je crois que c'est parler à... J'ai oublié, mais il y a une entrée de codex en tout cas qui fait que on apprend que Johanna aurait disparu. Johanna aurait disparu sans apprenti. Et alors on sait pas pourquoi, hein, peut-être que ça tease justement une autre aventure, que ça tease un Diablo 4 ou autre, mais Johanna aurait disparu suite à une aventure. Et le problème, c'est que si jamais Johanna ayait des manuels de l'ordre des croisés. Parce que si jamais le maître meurt sans apprenti, son héritage est définitivement terminé et de nouveaux croisés peuvent arriver, bien entendu, et doivent former un nouvel héritage. Mais c'est vachement important et j'avoue que moi-même dans mes recherches, je me suis dit, mais alors est-ce qu'il sous-entendait que Johanna a disparu dans le Nexus? Sauf que maintenant on sait que le Nexus, alors c'était peut-être pour tease Heroes of the Storm aussi à l'époque, mais en tout cas on sait que Heroes of the Storm, c'est des mondes parallèles. Donc oui, Johanna est entrée dans le Nexus, mais c'est un monde parallèle, c'est la vraie Johanna de Diablo 3, mais c'est un monde parallèle, donc elle n'a pas pu disparaître de sa propre
de son propre monde qui est le monde de Sanctuaire. Donc c'est peut-être juste une aventure et peut-être un tease vers un autre Diablo. C'est tout à fait possible, sachant qu'à l'époque il devait y avoir une extension pour Diablo et qu'on l'a su qu'elle a été annulée, donc peut-être pour Diablo 4. Mais j'espère en tout cas qu'ils ne vont pas oublier ce facteur-là. Voilà, en tout cas, la dernière, dernier petit point aussi, notre croisée assez connue, je vous en ai parlé un petit peu précédemment dans la vidéo, c'est Anna Jean, qui est également présentée donc, dans la nouvelle de 5 pages. Alors je ne l'ai pas lu, j'ai lu juste un petit résumé, donc il faudra que je le lise, mais c'est donc The End of the Journey, donc la fin du voyage, si on traduit littéralement, la fin du voyage. Et Anna Jean, donc est présentée comme une croisée avec tout l'héritage des Anna Jean. Donc il y a plusieurs Anna Jean, d'ailleurs au sein même du périple. Et d'ailleurs, une des armes d'Anna Jean, alors je sais plus si c'est le bouclier, mais en tout cas l'arme, le fléau d'Anna Jean est trouvable dans le jeu. Alors j'ai oublié le nom, peut-être que vous me direz, répondrez dans les commentaires. Je crois que c'est le fléau de lumière ou le fléau des cieux ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement une masse angélique qui a été construite et qui du coup est perpétuée on va dire un héritage tout simplement qui se transmet d'Anna Jean en Anna Jean. Donc peut-être que c'est la Anna Jean que l'on trouvera dans Diablo Immortals, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, l'histoire d'Anna Jean est assez intéressante pour développer le lore du croisé. Si ça vous intéresse un peu plus, je vous invite à aller voir, aller lire cette nouvelle parce qu'elle est quand même très intéressante, et c'est notamment dans cette nouvelle qu'on sait que eh bien, les croisés peuvent aimer, peuvent avoir des relations charnelles et sentimentale avec d'autres personnes, que ce soit masculin ou féminin d'ailleurs, hein, les croisés mâles et les croisés femelles peuvent tout à fait avoir des relations charnelles et sentimentales. Donc c'est assez intéressant, on découvre un petit peu plus de choses et l'héritage des croisés. Petit point que je voulais évoquer aussi quand même, ce qui est intéressant c'est que les croisés, l'un de leurs buts a toujours été de combattre la corruption de l'église du Zaccaro, mais au final ils n'ont jamais pu, parce que dans Diablo 2 ils n'étaient pas jouables, et du coup c'est vrai qu'ils n'ont jamais pu combattre finalement l'église du Zaccaro qui était corrompue par Mephisto. Puisque c'est les templiers qui, enfin les paladins pardon, qui vont eh bien au sein même de leur propre ordre choisir de sauver leur propre ordre, on va dire. Donc les croisés continuent leur route et continuent à défendre la veuve et l'orphelin, mais n'auront jamais réussi à accomplir l'un des premiers commandements qui était fait chez les croisés, c'est-à-dire dénoncer la corruption de l'église du Zaccharum. Un dernier petit point, Johanna a eu comme compagnon, alors bien sûr les autres Néphalem, hein, Vala, Nazibo comme je le disais, donc les autres Néphalem, mais ce qui est intéressant aussi c'est que du coup, eh bien, elle a fait partie aussi de... Elle a combattu les Templiers donc démoniaques dans l'Westmarch. Donc ça, c'était intéressant puisqu'ils avaient des rapports très particuliers. Et l'un des compagnons de Johanna était tout simplement Cormac. Cormac, le Templier, le compagnon Templier, le mercenaire Templier. Et Cormac va aider Johanna à combattre les Templiers. Et finalement, c'est même Johanna qui a plutôt aidé Cormac à combattre les Templiers. Et découvrir qu'au final, les Templiers sont des cultistes démoniaques. Et ils vont détruire l'ordre des Templiers. Ce qui est intéressant, c'est que Cormac, du coup, au final, entretient une relation en tant que Templier avec les Croisés, alors que les Croisés sont censés rester à distance des Templiers, donc comme quoi, on voit que... Enfin, les Templiers ou les Paladins, et on voit donc, au final, que Cormac est, a choisi de faire sécession, et il y a quand même eu une relation proche entre les deux personnages. Moi, personnellement, j'ai fait Reapers of Soul principalement avec la Croisée, j'ai trouvé que c'était super cool de voir cette relation, alors que... Normalement ils sont censés s'éviter, on va dire. Je trouvais que c'était assez sympa que l'association d'un paladin et d'un paladin devenu templier et d'une croisée puisse détruire un ordre de paladins corrompu. Je trouvais ça assez sympa, même si tous les personnages peuvent le faire, je trouve que ça a encore plus de sens avec un croisé. Et au final, Cormac pourrait également être peut-être le paladin de Diablo 2. Physiquement il se ressemble pas des masses, donc peut-être qu'après c'est comme Raynor, hein, il s'était juste tondu les cheveux et qu'il s'est fait pousser les cheveux depuis. Peut-être que Cormac était le paladin de Diablo 2, mais je préférerais l'idée que ce soit le croisé de Diablo 3 qui soit le paladin de Diablo 2. Que le paladin de Diablo 2 soit devenu le croisé de Diablo 3, ce sera mieux dans cet ordre-là. Et pour finir, une petite anecdote sur Johanna. Son nom n'a pas été choisi par hasard. Johanna, c'est tout simplement l'héritage de Jeanne d'Arc. Donc c'est la plus française des personnages de Diablo, puisque Johanna, donc Jeanne d'Arc en anglais, c'est Joanne of Arc. Et du coup, ils ont récupéré le truc pour faire Johanna, Joan of Arc, Johanna. Donc c'est, on va dire, une abréviation, et c'est assez intéressant le parallèle. L'idée du croisé, l'idée du combattant, hein, du chevalier de la lumière qui combat, donc féminin qui combat,
Donc c'est assez intéressant, je trouve, comme parallèle. Et d'ailleurs, si vous voulez encore une autre anecdote, la coupe de cheveux de Johanna, donc avec cette d'un côté les cheveux longs et de l'autre la forme rasée, un petit peu l'espèce de tonsure sur le côté, eh bien c'est également un clin d'œil à la Jeanne d'Arc de Luc Besson. Je crois que c'était 98 l'époque, 99 l'époque. Donc c'était aussi par rapport à, je crois que c'était Mila Jovovich qui jouait Jeanne d'Arc dans ce film, et ils ont repris en fait la même coupe, en tout cas une partie de la coupe de cheveux de la Jeanne d'Arc de Luc Besson. Donc c'est vraiment le personnage cocorico pour le coup, et je trouve ça plutôt sympa. Quand j'ai lu les recherches et que j'ai vu ça, je me suis dit ah, oh, c'est vachement sympa. Et c'est vrai que j'avais jamais fait le rapprochement. Jeanne d'Arc, c'est Joan of Arc, et du coup Johanna, je me disais ah, ça tombe de, enfin, tout sous le sens. Et c'est vrai que dans la plupart des récits d'heroic fantasy et autres, il y a toujours un personnage féminin, chevalier, et souvent qui est un parallèle à Jeanne d'Arc. Mais celui-là, en fait, il était très facile à voir et je ne l'ai absolument pas vu. Donc, je trouvais ça assez sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Johanna vous aura plu. J'espère qu'on en saura plus par la suite et que du coup, bah, la vidéo sera pas forcément exhaustive. Mais le lore de Diablo va avancer, hein, c'est certain. Maintenant, on le sait. Puisqu'il va y avoir probablement un Diablo 4, probablement un Diablo 2 remaster, etc., etc., Diablo Immortal. J'espère que voilà, le lore normalement de Diablo devrait pas mal avancer dans ces prochains mois, prochaines années, et bah, j'espère qu'on en saura plus. À ce moment-là, je ferai une nouvelle vidéo, peut-être partie 2 par exemple sur les croisés ou sur les autres personnages comme les Amazones et autres. Mais en tout cas, voilà, j'espère que pour le moment, c'est toutes les informations que j'ai pu récupérer pour les croisés. Il y en aura une autre pour l'église du Zakharou, mais beaucoup plus tard. En attendant, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, me liker la vidéo, commenter, ça augmente la visibilité de la chaîne, partager autour de vous bien entendu, surtout que la communauté de Diablo, honnêtement, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi concernant Diablo Immortal, en tout cas j'en profite pour cette vidéo pour vous dire merci, parce que c'est vrai que les vidéos de Diablo, mes vidéos de lore de Diablo fonctionnent vraiment pas mal, sur la durée en tout cas c'est assez impressionnant. Je crois qu'on a passé les 20 000 vues sur l'éternel conflit, donc bah, je tenais à vous remercier et merci à vous d'entretenir, ça me fait beaucoup de bien au moral, je dirais, parce que je passe beaucoup de temps à les faire, donc c'est vrai que merci à vous tout simplement. J'espère que ça vous plaît toujours autant, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, sachant que les prochaines je vous ferai voter aussi. Je compte ne pas faire Vala, j'avais proposé Vala dans ce sondage pour, finalement c'est Johanna qui avait été choisie, j'étais bien content d'ailleurs que ce soit Johanna qui soit choisie, mais pour ce qui est de Vala, je pense la refuser, puisque Vala, il y aura probablement pas mal d'infos, maintenant on le sait, concernant Diablo Immortal, il y aura pas mal d'infos sur les chasseurs de démons. Donc j'attends probablement la sortie de Diablo Immortal pour faire un épisode sur Vala et les chasseurs de démons. Pour ce qui est du camp d'Uras et de Léoric, qui était le numéro 2 dans le sondage, j'aimerais qu'on attende la sortie d'Aidan dans Heroes of the Storm. Sur le papier, il est dataminé depuis un moment. Le jour, si vraiment on a bien avancé et qu'il n'y a toujours pas Aidan, je le ferai. Sinon, bah, j'essaye de tempo un petit peu pour Aidan. Mais j'ai bien compris que le camp d'Uras, que l'histoire de la famille de Léoric et d'Aidan vous intéresse. Et j'en ferai une, c'est promis. En tout cas, voilà, je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus dans Nexus. Ou dans Sanctuary.